Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc, eh bien je suis pute que votre... Salut Jean-Marc, c'est Cyril Lignac. Bonjour Jean-Marc, et avec mon beau-frère... Salut Jean-Marc, c'est Nikos. Salut Jean-Marc, c'est Benji, Benjamin, Castaldi. Dis donc. Alors j'appelle pour t'annoncer une super nouvelle. Secret Story reprend le 25 mai. Et ça c'est Zuzu, c'est Pépère, c'est super. Oui, parce que ça veut dire qu'avec les gogo danseuses et les clones de Michael Vendetta qui vont se faire virer chaque semaine, tu vas avoir plein d'invités pour ton émission sur Direct 8. Et ça c'est cadeau mon Jean-Marc. Merci, c'est gentil. Salut Jean-Marc, c'est Raymond Domenech. Bon bah comme beaucoup de Français, dimanche soir j'ai regardé le Grand Duel. Il n'y a pas eu de surprise, hein. Il s'est passé ce que tous les experts avaient annoncé. Le gros a battu le petit, le nain s'est pris une claque. Non, vraiment, cette victoire du PSG face à Valenciennes, ça m'a pas surpris. Bonjour Jean-Marc, c'est Sophie Davant. Vous savez que pour mon émission Toute une histoire, je recherche des témoignages de gens qui ont des problèmes, de gens qui souffrent. Et comme j'aimerais bien faire un numéro sur les personnes qui ont perdu en même temps leur domicile, leur métier, leurs amis et qui risquent d'avoir des soucis avec la justice, je voudrais savoir si vous avez le numéro de portable de Nicolas Sarkozy. Oui, je l'ai, mais ça répond plus. Bonjour Jean-Marc, c'est David Pujadas. Alors, il n'aura pas échappé au fin observateur que vous êtes que pour la première fois de l'histoire, dimanche soir dernier, le journal télévisé de France 2 a fait jeu égal avec celui de Laurence Ferrari et Claire Chazal. Et avec Roland Garros, les JO et le Tour de France qui arrivent, on va les déchirer les jumelles peroxydées. On va les pôle emploiser les Barbie Girls, on va leur déglinguer le brushing aux blondasses. Enfin, je veux dire, bon, c'est pas mal, continuons à travailler dans ce sens. C'est ça. Coucou Jean-Marc, coucou Julie, c'est Florence Foresti. Wouh. Dis donc, depuis dimanche à la télé et à la radio, c'est Valérie Trier-Veller par-ci, Valérie Trier-Veller par-là. Alors, moi, j'aime bien les femmes qui la ramènent et qui ont du succès. Parce que bon, c'est un peu bête, les garçons. Mais bon, là, faut qu'elle arrête, Valérie, parce que si ça continue, François Hollande, on va finir par l'appeler le premier monsieur. Salut Jean-Marc, c'est Cyril Lignac. Lignac. Alors moi, cette semaine, j'ai regardé Rendez-vous à un terrain inconnu sur France 2. Zabou, elle était chez les Nyangatom et elle a pas voulu boire du lait de vache mélangé avec du sang. Mais elle a raison, Zabou, c'est dégueulasse. Alors qu'il aurait juste suffi de rajouter un peu de piment d'Espelette et le tour était joué. Ils sont pas malins ces Nyangatom quand même, hein. Ils regardent pas Top Chef ou quoi? Merci beaucoup Marc-Antoine Lebray, Anaïs Petit. Nous vous retrouverons demain dans la matinale de Benjamin Petrovert comme chaque semaine à 8h50 pour la folle semaine d'Europe 1.